Ils sont rudes, hein. Oh, t'es final. Il ne mollera pas sur la patte. Ah, j'ai compris. C'est là après que lui aura sur le banc comme ça. Il a fait repartir dans le banc. Qu'est-ce qu'il va faire alors? Je pense qu'on va jouer. Il y aura peut-être des petites pluies un peu intermittentes, mais on va pas pouvoir jouer. Mais les joutes ont été créées à 7, ont existé à 7 depuis la création du port, c'est-à-dire en 1666. Et donc on a commémoré il y a 30 ans le tricentenaire de cette création par un tournoi en tenue d'époque dans le port de Sète que j'ai eu la chance de remporter d'ailleurs, c'est un tournoi historique, hein, le tricentenaire de la création du port. Et donc on remonte à l'origine des joutes, on remonte à ce moment-là. Il y a eu des tournois de joutes, ils n'étaient pas du tout les mêmes que maintenant. Les concurrents étaient répartis en troupes de... C'était la jeunesse contre les mariés, il y avait des sanctions terribles pour celui qui perdait, jusqu'à aller en prison, enfin il y a toute une histoire là-dessus. Enfin on remonte donc jusqu'à la création de la ville, puisque toutes les archives municipales parlent de ce tournoi, de ces premiers tournois de 1666. Moi j'ai commencé assez tard, de mon époque, on peut dire mon époque, que ça fait quand même plus de 40 ans en arrière, même 40-45 ans. On joutait très peu, on joutait pour les fêtes de quartier, quelques fêtes de quartier, la fête de la ville. Moi j'ai commencé à 23 ans, je joutais une fois comme ça de temps en temps pour la fête des pêcheurs à l'âge de 16-17 ans, mais c'était qu'une fois par an, c'était pas suivi. À partir de 23 ans, où j'ai signé à l'Alliance sportive, j'ai commencé à jouter et à m'inscrire dans les différents tournois régionaux de des villes environnantes. Hein. Donc ça a permis, on arrivait à faire 4, 5 tournois par an. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe maintenant. Maintenant, alors les jouteurs jouent autant de fois qu'ils veulent, des fois 2, 3 fois par semaine. Ils jouent très jeunes. D'ailleurs, on peut parler de cette évolution des joutes, parce qu'avant, je vous dis, les jouteurs c'est toi, et même l'extérieur, le premier tournoi se faisait officiellement quand on passait le conseil de révision, c'est-à-dire à l'âge entre 19 et 20 ans, il fallait faire la Saint-Louis, enfin, la Saint-Louis des juniors qu'on appelait la Saint-Louis des jouteurs du dimanche. Partant de là, si ça plaisait, on s'inscrivait dans une société et on poursuivait sa carrière suivant la forme et la valeur de chacun. Depuis, si on remonte une trentaine d'années en arrière, il y a quand même eu tout le temps dans les quartiers des jeunes qui, sur le bord du trottoir, avec un manche à balai et une caisse à poissons, essayaient d'imiter les jouteurs des grands tournois. Moi, je fais ça évidemment quand j'étais petit, comme tout le monde, mais il n'y avait aucun suivi, il n'y avait aucune... aucune organisation qui encadrait tout ça. En 77, j'ai eu l'idée, enfin moi à 7, de créer une section, une école de joute, hein, qui a pris les gamins, déjà on commençait à l'âge de 8-9 ans, on a créé des matériels spécifiques pour eux, des petits pavois à leur taille, des petites lances, hein, et suivant les catégories, les pavois augmentaient de dimension, les lances également, on faisait 3-4 catégories. On a eu la chance d'avoir des sponsors qui nous ont permis d'acquérir des petites barques, hein, des barques à la dimension des enfants, et on a commencé comme ça. Ça a été un succès phénoménal. On avait jusqu'à près de 100 gamins à s'occuper, et chaque année, les meilleurs passaient dans la catégorie suivante, hein, au point de venir après, avec les jouteurs adultes, s'affronter dans les tournois régionaux. C'est vrai qu'on leur apprend la loyauté, bon, on leur apprend la bonne tenue, on essaie de pas trop les faire dériver. Il n'y a pas de hargne, hein, là-dedans, c'est pas... Mais on les motive pour qu'ils tombent leur adversaire, mais après ça s'arrête là. Les copains, même les adultes, ils feront tout pour jeter leur adversaire à l'eau, mais après ils sont les premiers à venir boire le pastis avec. Donc il n'y a pas d'arrière-pensée de dire je veux te jeter, je te veux du mal, c'est pas ça. Le problème c'est de jeter son adversaire à l'eau proprement, et puis après, bon, de faire la fête avec. On n'a qu'un recul de 25 ans. Hein. On avait les gamins, dont les premiers qu'on a pris, ils avaient une douzaine d'années. Donc ils arriveraient même théoriquement à 37, 36, 37 ans, c'est-à-dire la pleine maturité. Et dans les...
dans les, tous les jouteurs que nous avons sortis, je parle à l'école de joute, même les autres, fait les deux ou trois écoles de joute qu'il y a, ceux qui sont dans le haut du panier sortent de l'école de joute. Alors, il y reste encore une catégorie de jouteurs qui n'ont pas participé, qui n'ont pas eu ces écoles de joute, qui ont entre 30, 35, 40 ans, qui sont en pleine bourre. Mais on voit tous ces jeunes qui arrivent derrière et qui les poussent petit à petit. Pour être un bon shooter, il faut d'abord aimer ça, parce que si on n'aime pas, si on y va en dilettante, on n'arrive à rien. Et il faut être solide, il faut avoir la vista, c'est-à-dire le coup d'œil. C'est terrible le coup d'œil, si vous êtes là, que vous attendez le choc de l'adversaire, vous êtes à l'eau. Le coup d'œil sert à voir la préparation, la présentation du shooter qui est en face, pour voir son point faible, pour voir si on est haut, si on est plus bas, et où il y a des points à respecter. Rêve de gagner la Saint-Louis. La Saint-Louis, c'est l'entrée au Panthéon des joutes, c'est le renom pour la vie. Si vous gagnez la Saint-Louis, vous êtes le jour où vous gagnez la Saint-Louis, le maire n'existe pas, vous êtes le maire de la ville, vous êtes le champion adulé. Je veux dire, les gens ne parlent que par vous, c'est très 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 important. Le jury trouve la face foireuse douteuse, déclare les deux joueurs ex aequo. Évidemment, j'ai gagné il y a bientôt 30 ans, hein, mais je m'aperçois que j'ai eu une carrière bon, comme un bon shooter, un bon champion, mais si je n'avais pas gagné à Saint-Louis, je serais passé à côté, vraiment à côté de ma carrière de shooter.